vous allez bien? Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour parler des règles, de l'endométriose. J'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet. Une première vidéo où je vous parlais de mes douleurs et comment je faisais pour gérer mes douleurs. À cette époque là je savais pas que j'avais d'endométriose. Et j'ai fait une deuxième vidéo où je vous parlais que j'avais découvert que j'avais d'endométriose. Je vous parle aussi brièvement de ma première fois. Mais du coup dans cette vidéo j'ai décidé que j'allais répondre à vos questions parce que je reçois énormément de questions sur ça en fait. Et c'est tout à fait normal parce qu'on a très peu d'informations par exemple sur l'endométriose. Et même nous en tant que femmes il y a plein de questions qu'on se pose. Bien préciser que je ne suis pas une spécialiste, c'est juste que du coup j'ai appris beaucoup de choses depuis que je sais que j'ai de l'endométriose. Je me suis renseignée, j'ai vu des spécialistes, donc il y a certaines choses que je sais et que certainement vous ne savez pas parce qu'on n'en parle pas. Et j'espère aider un max de gens, que ce soit des filles ou autres, parce que souvent je reçois des messages en mode Elixène arrête de dire les filles, parce qu'on n'est pas que les filles à regarder cette vidéo, il y a d'autres genres. Donc excusez-moi, j'oublie souvent, mais j'accepte n'importe qui sur ma chaîne YouTube. Tu utilises quoi comme produit, marque, serviette, cup? Alors j'ai ma petite liste, faut que vous sachiez vraiment s'il vous plaît, n'achetez plus des serviettes en grande surface. Il y a tellement de produits chimiques dessus, en plus de ça apparemment notre vagin, utérus, tout ce que vous voulez, il est très absorbant. Déjà bah il y a les culottes de règles lavables, donc ça c'est la marque Tempo qui me les a envoyées. Ils m'ont envoyé 3 modèles qui sont disponibles sur le site et ils vont bientôt sortir une nouvelle collection qui m'enverront aussi, donc je vous en parlerai sur Instagram. Du coup je les ai testées, malheureusement quand j'ai plus mes règles maintenant actuellement. Faut savoir que moi j'ai beaucoup de pertes blanches, d'ailleurs on va en parler après dans la suite de la vidéo, donc ça me dérange absolument pas de prendre ça parce que je me sens quand même protégée. C'est un peu la même matière qu'un maillot de bain ou qu'un legging de sport, donc je recommande de ouf les culottes réutilisables. En plus de ça vous en achetez je sais pas moi 7 et vous les utilisez pendant des années. Autre chose, si vous voulez continuer à utiliser des serviettes hygiéniques qui se jettent et tout, ce qui est complètement compréhensible parce que dans mon cas je suis une obsédée des douze. Dans mon cas je suis une obsédée des odeurs, donc j'ai besoin tout le temps de me changer, tout le temps de me nettoyer. Donc moi je préfère les serviettes bio, en coton bio qu'on achète dans par exemple des magasins comme Biocoop, enfin tous les magasins bio. Ça c'est des serviettes pour tous les jours parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup de pertes blanches, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Donc je mets tout le temps des serviettes en fait. Et le dernier truc que je voulais vous parler, que j'ai pas sur moi malheureusement, c'est des serviettes hygiéniques lavables, réutilisables, que j'avais aussi parlé sur mon Instagram. Je les avais reçues de la marque Dans Ma Culotte et j'ai grave kiffé. J'ai utilisé les grandes tailles. Un petit truc par contre qui me saoulait, c'est que je pense pas que c'est un truc à porter toute la journée. Si vous faites de 8h-19h et que vous perdez beaucoup de sang, c'est compliqué. Par contre si vous perdez pas énormément de sang et même que vous faites du 8h-19h, c'est un truc que vous pouvez porter. Bref, si vous êtes comme moi que vous perdez énormément de sang, moi le truc que je vous recommande le plus c'est les serviettes qui se jettent quoi. Donc voilà, c'est un peu plus cher, c'est vrai, c'est un investissement. Ça me saoule à quel point, pourquoi les serviettes sont payantes, qu'est-ce que ça fait d'être en ménopause. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en ménopause artificielle et c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas si vous n'avez pas d'endométriose, parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui disaient comment je fais pour plus avoir mes règles, j'aimerais ne plus avoir mes règles. Alors faut savoir que les règles ça fait partie de la vie, on a toutes nos règles et moi je suis en ménopause artificielle tout simplement parce que mes règles m'empêchaient de vivre à un point que je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas manger, même psychologiquement j'étais vraiment pas bien. Du coup quand on m'a diagnostiqué l'endométriose, il y a deux solutions, soit bah tu prends la pilule, soit tu apprends à gérer les douleurs, parce que malheureusement à l'heure où je vous parle il n'y a toujours pas de méthode pour soigner la maladie. C'est une maladie qui ne se soigne pas. Il y a des solutions mais ça ne se soigne pas définitivement. Donc voilà, moi je prends cette pilule, j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle la pilule Mesolfa. Je vais répondre à d'autres questions après où j'expliquerai comment je l'ai vécu. Comment se passent les examens pour savoir si tu as une maladie par rapport aux règles? Dans le cas de l'endométriose, c'est super triste mais ça fait que très peu de temps, ça doit faire 2 ou 3 ans qu'on connaît cette maladie, ou du moins qu'on en parle pas. Et encore à l'heure où je vous parle, c'est une maladie très difficile à diagnostiquer. Pour la diagnostiquer il faut faire une échographie et si on trouve rien sur l'échographie il faut faire une IRM, et il faut savoir que dans plusieurs cas, voire dans la plupart des cas, ça prend des années à diagnostiquer cette maladie qui est très difficile à trouver parce que tout simplement les médecins, tout ça, ils sont pas formés pour diagnostiquer cette maladie. Moi dans mon cas j'ai eu un peu de chance, j'ai fait seulement 2 échographies, mais dites-vous que pour certaines personnes ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et pendant des années faire des échographies pour chercher si on a quelque chose ou pas. Quels sont tes symptômes à toi de l'endométriose, car il y en a beaucoup et chacun a les siens. En effet l'endométriose c'est en plus une maladie très difficile à diagnostiquer parce qu'on n'a pas tous les mêmes symptômes. Alors moi j'ai les symptômes principaux, c'est ça qui m'a permis de savoir que j'avais de l'endométriose. J'ai des règles douloureuses, j'ai mal pendant les rapports, je vais beaucoup aux toilettes mais pas constipation, l'inverse. Par contre j'ai pas mal en urinant et j'ai pas mal en dehors des règles. Après j'ai aussi des vomissements et des évanouissements. Est-ce que cela est handicapant dans tes rencontres amoureuses? J'ai confiance en ma façon de penser, en ma façon d'évoluer. Je sais que je suis quelqu'un qui évolue tout le temps. J'apprends toujours de mes erreurs, ça c'est un truc que tout le monde me dit. J'évoluerai toujours parce que c'est ma passion d'évoluer et d'apprendre des choses. Par contre par rapport à mon physique, par rapport à mon corps, j'ai pas confiance en moi. Donc quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose, ça ne m'a absolument pas aidée. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vais avoir une pensée super négative, je suis désolée. J'ai plus du tout confiance en moi pour être avec quelqu'un. Comment soulager la douleur? C'est insupportable pour moi, je ne peux pas aller au gynéco, j'ai trop peur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des méthodes que j'ai apprises. Donc déjà, il y a des choses à ne pas manger quand vous avez vos règles. J'ai vu une ostéopathe spécialisée dans l'endométriose et j'ai appris tellement de choses avec elle. J'étais choquée quand j'ai su ça. Alors déjà, quand vous avez vos règles, ne mangez pas de lentilles ou de pois chiches. Les lentilles et les pois chiches ont une espèce de petite peau transparente, je crois que vous voyez de quoi je parle, qui en fait vient se coincer ici, oui j'ai un bas de pyjama, et ça peut vous donner des grosses douleurs. Je sais de quoi je parle parce que quand elle m'a dit ça, c'était une illumination de ma vie. Un jour à la cantine, il y avait des lentilles et comme vous savez du coup je suis végétarienne, j'ai pris que des lentilles, une grosse assiette. J'adore les lentilles, voilà. Et j'ai mangé les lentilles et après, oh là là, rien que d'y penser j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Oh Lord, again. J'ai foncé aux toilettes, j'étais vraiment là, je voulais vomir, j'ai essayé d'appeler mes potes mais en plus de ça il n'y avait pas de réseau dans les toilettes. J'ai réussi à en avoir une. Elle m'a accompagnée jusqu'à l'arrêt de bus pour que je rentre chez moi, mais j'étais en train de ramper par terre. J'étais en train de marcher limite à 4 pattes jusqu'à l'arrêt de bus et j'étais en mode maman, maman, maman. Autre chose à ne pas, ça c'est une grande erreur, ne buvez pas de thé pendant vos règles ou de tisane. Je sais que la plupart d'entre vous pensent que c'est bien, mais non, parce que le thé, ça enlève le fer en fait. Déjà que pendant vos règles, vous perdez énormément de sang en tant que... Enfin, pour certaines, vous perdez beaucoup de sang et du coup ça fait perdre beaucoup de fer. Mais en plus, le thé, ça ne doit pas vous aider parce que le thé enlève du fer. Donc si vous voulez boire du thé, c'est ce thé-là qu'il vous faut, c'est du thé Rooibos, ça se trouve dans tous les supermarchés. Le gluten, c'est à éviter en max. Je sais pas si ça le fait aussi pour les filles qui n'ont pas d'endométriose, mais moi je pars du principe que je suis sûre et certaine que l'alimentation, ça joue sur les douleurs, c'est-à-dire tout ce qui est pâte, tout ce qui est pain, tout simplement parce que le gluten aujourd'hui est transformé, c'est tellement chimique, ça m'étonne pas que ça nous fasse mal. Donc voilà, ne mangez pas de pâtes, pas de pain, mangez plus du riz, des bananes pendant vos règles. Autre petit point, mettez-vous au chaud. Votre muscle il est comme ça, tu vois, donc si tu viens mettre une bouillotte ou une couverture chauffante ou ton chat, ça va détendre le muscle et t'auras un peu moins mal. Par rapport au fait que tu as peur d'aller voir un gynéco, je comprends que ça peut faire peur, mais je pense que c'est une étape par laquelle on doit passer. Si ça peut te rassurer, c'est de voir une gynécologue femme, surtout si t'as des fortes douleurs, que tes règles jouent beaucoup sur ton émotion, sur le fait que tu rates des cours et tout ça. Il est très important d'aller voir un gynécologue, enfin une gynécologue, parce que ils vont pouvoir t'aider en fait. T'as déjà essayé la cup? Rien que d'y penser ça me donne envie de vomir. Je l'avais dit dans ma vidéo que c'était un truc que je voulais absolument pas faire, pareil pour le tampon et la cup. Je ne veux pas savoir qu'il y a un truc qui est là, qui peut peut-être partir je ne sais où. Pour ceux qui en utilisent, bravo à vous. Mais moi, jamais de la vie. Est-ce que si on prend la pilule, il y a forcément des effets secondaires? Alors dans mon cas, si vous avez vu ma vidéo où je vous emmène une semaine avec moi, à un moment dans la semaine, ça... Parce que vraiment, maintenant tu es en train de penser, t'es pas avec moi. Mais j'arrive, je me dis, wesh. Mais même, laisse pas toute seule. Tout simplement, je prenais ma pilule et ma pilule, j'ai eu beaucoup de mal au début à l'accepter, enfin c'est normal, surtout qu'une pilule comme la mienne, c'est une pilule super forte comme je vous ai dit, parce qu'elle me met en ménopause artificielle. En plus de ça, je la prends continuellement, c'est à dire que je m'arrête jamais. Il y a certaines pilules où pendant un mois tu prends plus, pendant 3 jours tu prends plus, du coup j'ai eu des effets secondaires, mais il faut savoir que maintenant il n'y a plus rien. Voilà, ça fait 5 mois, 6 mois, je sais plus, mais c'est le temps qu'il faut pour un corps à s'adapter à une pilule. Donc si vous prenez une pilule et que vous avez des effets secondaires les 5 premiers mois, faut vous dire que c'est normal, votre corps il s'adapte, il se dit bon attends, il se passe quoi là, t'as fait quoi? Si au bout de 5 mois il n'y a plus rien, c'est que c'est bon. Mais si après 5 mois ça continue, il faut absolument que vous allez revoir votre gynécologue et vous lui demandez de vous donner une autre pilule, parce que ça veut juste dire que la pilule n'est pas adaptée à votre corps. On a une endométriose quand on a nos règles douloureuses ou pas forcément. PS, je t'aime. Je t'aime aussi. C'est une question difficile à répondre parce que moi je pense sincèrement que les douleurs des règles peuvent être reliées à notre vie. Parce que tout simplement, le corps, c'est un assemblage, tout ça. Je pense que c'est, on peut avoir des douleurs pas aussi fortes que l'endurance. En fait, c'est difficile de se transmettre les douleurs, tu vois, parce que c'est un truc intérieur. Tu peux pas expliquer aux gens comment tu te sens. Si on pouvait faire un airdrop de nos douleurs, ça serait tellement mieux. Mais moi, je pense que franchement, notre vie, elle est reliée à nos douleurs. Tout simplement, par exemple, si vous êtes en période de stress intense, ça peut arriver que du coup, le cycle d'après, vous ayez super mal. Pareil, si vous avez vécu un choc émotionnel, je sais pas, t'as perdu ton grand-père, ta grand-mère, c'est normal que après tu peux avoir des règles douloureuses. Parce que tout simplement, pour moi, tout est lié en fait. Pareil, l'alimentation, si vous avez mangé plein de bêtises, des trucs chimiques, par exemple dans les cas d'extrêmes comme l'anorexie ou l'obésité, l'un des premiers symptômes qu'on remarque quand la personne a atteint le truc maximal, c'est qu'on n'a plus de règles. Donc ça peut être un exemple qui montre à quel point en fait tout est lié dans le corps. Prise de poids et impact sur l'émotionnel. Je prends la pilule et c'est vague savoir si c'est lié. Alors oui, comme je l'ai dit, sur les 5 premiers mois, ça peut être normal d'avoir une prise de poids ou des impacts sur l'émotionnel. Moi vraiment, quand j'ai vu la gynécologue, la première chose que je lui ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi une pilule qui ne va pas me faire prendre du poids, parce que j'en avais pris une quand j'avais 15 ou 16 ans, c'était un médecin qui m'avait recommandé et je le déteste parce que c'est vraiment la pire pilule que j'ai pu prendre dans ma vie. Donc là j'ai remarqué que j'ai pas pris de poids. En ce moment je me bats les couilles de mon poids, genre je suis vraiment dans une période où enfin je me pèse plus, voilà, c'est plus mon problème. Mais par contre j'ai remarqué que j'ai pris de la poitrine, enfin j'avais super mal au sein, quoi, que j'ai encore un peu mal mais pas autant que les premiers mois. Genre vraiment j'avais l'impression de me lever avec deux gosses deux gosses ici. Mais j'ai pas pris de poids, mais ça peut prendre du poids et franchement si tu prends beaucoup de poids, demande à changer de pilule parce que ça c'est très très chiant. Je comprends totalement pour l'émotionnel. Moi pendant les 5 premiers mois j'étais vraiment super mal, on me reconnaissait pas, même Amandine qui est ma coloc, ma meilleure amie, je le dis au cas où des gens ne me connaissent pas, elle était en mode mais Elixène, est-ce que tu te rends compte à quel point t'es chiante? Comme par hasard c'est des périodes où je me suis disputée avec tout le monde, enfin bref j'étais vraiment pas bien et je comprends si après 5 mois ça continue à avoir comme ça des effets sur toi, sur ton émotionnel, il faut aussi changer de pilule parce que c'est pas normal. Je suis encore vierge et ça me fait peur, tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? J'en ai parlé un peu dans ma vidéo la première fois. Je comprends que tu peux avoir peur, c'est totalement normal, c'est comme passer un oral de bac, même si du coup cette année personne va passer son bac, c'est comme passer un entretien, c'est comme chanter sur scène, enfin c'est un truc qui fait stresser, mais c'est un bon stress. Faut que tu saches qu'il faut absolument pas que tu te forces, voilà, si t'as pas envie tu le fais pas, et il faut savoir que la première fois ça se passe jamais bien, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, il faut le faire plusieurs fois pour avoir de l'expérience. Quand tu étais plus jeune, avais-tu peur d'avoir tes règles ou pas? Moi j'ai que 11 ans et demi et j'ai peur, ma puce. Moi j'ai eu mes règles assez tard, je les ai eues à 15 ans. J'étais en 4ème, mais comme j'ai redoublé, je devais être en 3ème. Je sais qu'il n'y a pas d'âge pour avoir ses règles et tout ça, mais apparemment plus tu les attardes, plus il y a des difficultés après pour la fécondité, des choses comme ça, apparemment. Mais du coup dans mon cas, toutes mes amies avaient déjà eu leurs règles et moi j'étais là la seule qui n'avait pas eu ses règles et qui du coup n'avait pas encore de poitrine, des choses comme ça. On m'appelait souvent la planche à pain, merci, c'est sympa. J'avais hâte en fait, j'étais vraiment en mode oh my god, j'espère que je vais bientôt avoir mes règles, j'ai trop hâte d'avoir mes règles. Du coup quand j'ai eu mes règles, bah, j'étais trop contente, en plus de ça je les ai eues le jour de mon anniversaire. Bah ma chérie, faut pas avoir peur parce que dis-toi qu'on va tous passer par là, genre vraiment tout. On passe tous par là, c'est une étape de la vie. C'est vrai que les règles font grossir les seins chez toutes les femmes. Alors dans mon cas, comme je vous ai dit, j'avais pas eu ma période de puberté. C'est après que j'ai eu mes règles que j'ai commencé à avoir de la poitrine. Mais je sais que dans certains cas, il y a des femmes qui ont leur poitrine avant et qui après ont leurs règles. Donc en fait, ça dépend de chaque femme, ça dépend de tout le monde en fait. Que penses-tu des pilules, les effets de notre corps? Quand je savais pas que j'avais l'endométriose, j'étais vraiment contre. Jamais de la vie, je m'étais dit que j'allais prendre la pilule. Vraiment, c'est un truc pour moi qui... Je me dis que c'est tellement pas naturel en fait. Déjà de base je suis un peu contre les médicaments parce que je sais que la plupart des médocs sont testés sur les animaux. Toujours consommer trop de médicaments, c'est pas bon pour le corps. Mais malheureusement quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose et que c'était soit ma vie c'est un cauchemar, que j'ai mal, que je rate les cours, soit que je prenne la pilule et que j'ai plus mes règles et que je vive une vie entre guillemets normale. Si vous avez l'occasion de ne pas en prendre, je vous ne recommande pas de prendre la pilule. Mais si dans certains cas vous avez des douleurs, vous êtes aussi énormément déréglé, j'imagine que là ça doit être important de prendre la pilule. Moi j'ai pas envie de recommander la pilule, c'est pas un truc où je suis en mode oh my god la pilule c'est trop bien, alors moi j'ai plus de boutons, j'ai pris des seins. C'est pas que ça la pilule en fait, c'est tellement d'effets secondaires peut-être. Peut-on arrêter la pilule du jour au lendemain? C'est vraiment pas un truc que je recommande parce que je l'ai fait, j'ai fait cette erreur quand j'avais 16 ans, pas du jour au lendemain, j'ai arrêté et à partir de là j'ai vécu mes pires douleurs du monde entier. Donc s'il vous plaît ne l'arrêtez pas, vraiment allez voir une gynécologue pour en parler. Est-ce que c'est mieux de découvrir son corps, se toucher ou des choses comme ça avant? Oui. vraiment oui, ça aide énormément, parce que je sais que moi dans mon cas c'était pas le cas et c'était horrible de pas savoir ce qu'on aime, de pas connaître son corps. Si vous n'avez pas de problème à vous toucher, à vous connaître, faut avoir aucune honte, faites-le, ça va beaucoup vous aider et c'est très important de savoir se donner du plaisir soi-même avant de vouloir donner du plaisir avec quelqu'un d'autre. Personne d'autre vous connaît mieux que vous en fait. Donc en plus là c'est le confinement, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Est-ce que ça fait toujours mal les relations sexuelles quand on a de l'endométriose? Pour la plupart oui, j'ai vu beaucoup de témoignages du coup de personnes qui avaient l'endométriose et pour la plupart vraiment 98% des personnes, la sexualité est un gros problème. Donc il faut trouver d'autres méthodes, bien sûr il y a d'autres méthodes, hein. Il faut pas penser qu'il y a que la pénétration, il y a d'autres choses. Sinon apparemment il y a 2% pour qui ça ne fait pas forcément mal pendant les rapports. J'aurais bien voulu être dans ce cas. L'endométriose est-elle une maladie que l'on a depuis la naissance? Alors je trouve cette question très intéressante. L'endométriose est une maladie très difficile déjà à diagnostiquer et en plus de ça on ne sait pas d'où elle provient. Il y a trois grosses théories et je vais vous les partager. La première, ça serait que ce serait héréditaire, donc voilà, chose qui ne m'étonnerait pas parce qu'apparemment dans ma famille on est très nombreuses à avoir des problèmes, à s'être fait opérer pour ce genre de maladie. La deuxième supposition, ce serait que c'est une maladie qui se déclenche par rapport à la nutrition, tout ça, parce que la nourriture aujourd'hui qu'on mange, il y a tellement de cochonneries dedans. En fait du coup le fait de consommer certains chimiques en fait qui seraient présents dans plusieurs aliments fait que ça pourrait du coup dérégler les hormones, enfin les ovaires, tout ce que vous voulez, et du coup déclencher la maladie. Et la troisième supposition dont je crois beaucoup et que du coup c'est une abonnée qui m'a envoyé cet article, apparemment ce serait dû à un choc émotionnel assez puissant et j'y crois parce que du coup moi j'ai vécu plusieurs chocs émotionnels dans ma vie. J'ai parlé avec une fille justement récemment qui aussi a de l'endométriose et elle aussi elle a vécu des chocs émotionnels assez puissants, donc ça m'étonnerait pas que ce serait lié à ça. Faut que je vous dise un truc là, c'est que quand j'avais mes règles super douloureuses, mon frère et ma mère appuyaient sur mon pied. Ils appuyaient, bon désolé pour ceux qui ont la phobie des pieds, mais ils appuyaient ici tous les deux et pendant un instant, pendant quelques secondes, 10 secondes, je ressentais plus rien. Incroyable comment le corps il est formé, genre l'endométriose on sait toujours pas d'où ça vient. Peut-être que c'est aussi un truc qu'on a depuis la naissance. On verra à l'avenir. C'est normal d'avoir encore ces pertes blanches. Oui, vos pertes blanches vous allez l'avoir toute votre vie, même en étant adulte. C'est un truc qu'il faut accepter. Dans mon cas, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai énormément de pertes blanches. Dites-vous que j'ai tellement de pertes blanches que des fois j'ai l'impression de m'être fait pipi dessus. J'ai des taches. Alors déjà que j'ai l'endométriose, mais en plus j'ai des taches de pipi qui est pas du pipi. Du coup c'est pour ça que je mets tout le temps des serviettes et c'est pour ça que ça me dérange pas de mettre des culottes de règles alors que j'ai pas mes règles, parce que ça me protège toute la journée. L'endométriose, c'est à chaque cycle la douleur ou ça peut être des fois et pas d'autres. Alors je trouve cette question très intéressante parce que dans mon cas j'ai de l'endométriose mais mes douleurs n'étaient pas à chaque cycle, je faisais pas des crises tout le temps, mais par contre quand j'avais des crises c'était vraiment des crises énormes, genre vraiment si je pouvais vous airdrop ma douleur vous serez tous comme ça, genre ça fait vraiment mal comme ça, genre vraiment c'était une douleur tellement immense que je pourrais me jeter de la fenêtre. Je ne veux pour rien au monde re-avoir les douleurs que j'avais. Oh my god, je préfère mourir, je ne peux pas. Le fait d'avoir des pertes tous les jours et pas seulement après les règles est-il normal? Ça s'appelle le spotting. Ce n'est pas des règles, c'est juste des petites pertes de sang. Moi justement j'ai confondu ça. Pendant 55 jours j'ai cru que j'avais mes règles, mais en fait c'était pas mes règles, c'était le spotting. Je vous mettrai un article en barre info parce que je m'y connais pas énormément. J'ai un article là devant mes yeux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai répondu à énormément de questions, même si on avait tellement d'autres, je suis tellement triste de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je ferai une deuxième partie dans quelques mois quand j'aurai des évolutions. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Restez bien chez vous, confinés, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Ah, j'ai faim, je vais aller manger.